Salut Typo Gaming. Salut Typo Gaming. Les gens, dites-moi s'il y a un gros décalage. Je sens qu'il va encore en avoir un, comme d'hab. Enfin, j'espère pas. Dans la description, je vous ai mis le lien du dernier live et le lien du Twitter à retweeter. Enfin, du tweet à retweeter. Putain. Ouais, du tweet à retweeter. Pour partager et pour ramener le plus de gens possible. Yo Ecstasy, yo Bobby, toi aussi Sixtine, y a pas de souci. Attendez. Les gens, dites-moi s'il y a un gros décalage. Je sens qu'il va encore en avoir. C'est de savoir c'est où qu'on installe le Twixtor sur CS6. T'as des milliards, des centaines de milliards de tutos sur comment installer Twixtor, donc voilà. C'est toi le rouquin Bobby. Moi je suis un peu cool péki cette année. Oh, ça va pas le faire là. Bon, il y a quoi mon Skype là? Yo Zenix. Ouais, ça va et toi? Ouais, par contre là mon Skype il est en train de me péter les couilles mais genre sévère. Oh, il est fini, yep, finish, fuck, vrai live. Sérieux. Alors attendez, je fais vite fait les réglages. Mais j'ai installé Twixtor mais il n'arrive pas quand je joue CS6. Elgin, t'as vérifié qu'il n'est pas dans tes effets, dans Revision Plugin. Ouais, je sais qu'il y a un décalage, les gens, désolé, j'y peux rien, sinon je peux pas le faire en 720p. Et puis voilà, faut juste que vous attendiez un peu que je réponde à vos questions. Et puis normalement c'est bon, mais normalement il n'y aura pas de décalage entre le son et l'image, quoi. Les gens, n'oubliez pas d'aller retweeter le lien sur Twitter pour ramener du monde. Ce serait bien qu'on soit un peu comme la dernière fois, genre dans les 30 personnes. Normal, rachète un nouveau PC. Aucun rapport, c'est avec la connexion, mec. C'est juste que faire en 720p, faut avoir un minimum de bonne co. Et moi, je peux, mais il y a un petit décalage. Rouro, ok les gars. C'est vous les rouquins. Et bite, tu fais le fou cartin live. Lol. Bon, pour ceux qui sont là, les gens, je rappelle que pour les 400 abonnés, il y aura un big editing contest. Et donc il me manque 24 abonnés, donc ce serait cool que vous abonniez. Je peux vite fait vous montrer ce qu'il y a à gagner. Voilà, alors vite fait, tout simplement, il y aura 25 € pour le premier, plus une subbox, plus un upload, plus un dual edit avec un des 4 éditeurs qui organise le contest, plus une chance de join la Imagine Edit et la A8, j'ai oublié de préciser, voilà. Le deuxième, il y aura 15 € une subbox, un upload et une chance de join la JWL Film, c'est la team dans laquelle je suis. Troisième prix, il y aura 10 € plus subbox plus upload, et le quatrième et le cinquième, ils auront une mention, on aura plus un upload de 15 secondes. Voilà. Ok, bah, sub, ouais les gars, je sais. Ouais, franchement, ce serait cool que vous abonniez juste pour que, ben, voilà quoi, pour que je puisse sortir cet editing contest. Il y a quand même 50 € de lot, et ça peut être cool que vous retweetez, que vous partagez et que vous essayez de ramener des gens, tout simplement pour enfin organiser cet editing que j'ai prévu depuis un petit moment maintenant. Je suis pas le seul à le faire, c'est pour ça qu'il y a pas mal de lots comme ça. On est 4 à le faire et voilà. Je vais dislike ton live, ok, merci. Merci. Voilà, hop. Alors attendez. Hop. Bon, pour le moment on est 11, pas mal. J'espère que ça va monter. Désolé pour le décalage, hein. Il y a 2-3 minutes de décalage, franchement, je pense pas que ça va être très gênant parce que, dédicace à toi, Rizul, je sais pas comment on dit, dédicace, c'est quoi ton avatar de Toppet, ce truc de kéké, MDR, lol, XD, lol, MDR, bref, Nate, c'est tout simplement le logo de la JWL. à part regarder Skype, tu dis j'ai envie de voir quel logiciel tu utilises. Bah attends, Smeky, c'est juste que j'attends que les gens arrivent et je regarde ce qu'on... Gros, je vais faire passer ton live. Gros, je vais faire passer ton live. C'est pas le mien. Ok, merci Bobby. Swag, je sais. Moi j'ai installé le Twixtor, mais il n'apparaît pas quand... Ouais, ça... Moi j'ai dit tu m'apprends ces choses maintenant. Et merde. Franchement désolé, dites-moi si le décalage est vraiment dérangeant. Normalement il n'y a pas de décalage son et image, hein, c'est juste le décalage de... Genre je vous réponds sur Skype ou quoi et puis vous voyez 2 heures après. Oui, c'est Rizul, connard. C'est toi le connard, mec. Il y a que 1 minute, t'en fais pas. Ok, merci. Et si je suis premier, je suis en Suisse et donc en France, je dois... Ben, je sais pas, c'est sur PayPal, donc je sais pas si toi ça va te... Normalement, il n'y a pas de souci, ça va te... Ouais, je sais pas si votre PayPal, à vous, il est en francs, là, ou je sais pas quoi. Ouais Nate, je te demande des trucs et alors Bobo me demande des trucs, ça revient au même. Ouais, donc normalement je disais WRZ que ben, normalement il n'y a pas de souci quoi, vu que c'est sur PayPal, ça devrait marcher parce que je sais que quand on m'envoie de l'argent en dollars ou quoi, ta voix me berce. Ok les gens, ben attendez, je vais me lancer, il faut juste que je me lance là, je suis un diesel moi, je mets du temps à démarrer. Bon, les ça va, il commence à avoir du monde. Oui, énorme décalage de vision, sinon la voix nickel. Putain, mais je comprends pas. Il y a des gens qui disent que c'est pas dérangeant, il y en a qui disent c'est dérangeant. Désolé les gens, mais je peux pas tout faire en fait. Je peux pas faire pour que ce soit bien pour chacun. Ouais, bon. Alors attendez, je vais lancer After Effects. Donc voilà, je rappelle à ceux qui sont là de ne pas oublier de s'abonner juste pour qu'on arrive aux 400 enfin et qu'on puisse lancer l'editing contest avec 3 potes éditeurs. Donc j'ai dit hein, les lots et tout qu'il y avait et voilà. C'est quoi en fait, tu fais un concours? Un concours, c'est un editing contest tout simplement, donc un concours d'éditeurs, vous faites un edit et le meilleur, et bien, il gagne des prix. Enfin les 3 meilleurs gagnent des prix, les 4e, 5e ils gagnent pas grand chose à part d'être upload vite fait, ça fait un peu de pub vu qu'on est quand même 4 à le faire. Sachant qu'il y a 2 chaînes qui ont plus de 1000 abonnés je crois et franchement ouais, ça peut vous faire un petit peu de pub et après ben voilà quoi, et puis après voilà il y a les lots, il y a les chances de rejoindre des assez bonnes teams d'editing et voilà comme la Imagine et la 400 enfin la A8 voilà. Les gens, retweetez s'il vous plaît, partagez, faites tourner, qu'on soit un minimum parce que 11 là c'est pas trop intéressant quoi. Comment on édite avec les pieds? Ouais. S'il vous plaît, allez retweet sur Twitter, partagez là où vous pouvez et faites tourner, ce serait cool. Histoire que ce soit au moins une petite vingtaine pour pas faire ça pour rien quoi. Putain. Ok, je go check, tu peux check mon épisode en retour. MDR, ok mec. Bon, bah les gens, je sais pas si vous êtes déjà abonnés ou quoi, mais... Non, c'est pas chiant le décalage, ok, merci mec. After Effects est lancé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je sais qu'il y a Pulse qui voulait qu'on fasse un défi d'édit. Il a pas l'air d'être co, donc je pense qu'on va remettre ça une prochaine fois. Allez les gens, faut qu'on soit au minimum une vingtaine comme la dernière fois pour que je fasse le live. Non. Tu peux me montrer comment faire de beaux Twixtor parce que j'ai réussi. Ah, tu l'as réussi à l'avoir alors. Comment fait-on pour que les deux clips à la suite sur After Effects? Et Lunatics Boys MDR il m'a tué. Qui c'est qui t'a tué? Avec les yep ma gueule. Live et disait super sympa qu'on vient, on en prend pas mal de trucs. Merci merci Ruxo. C'est super sympa. Bon, ce qu'on va faire, ben, c'est répondre à la question. Je pense que l'OCE qu'on a fait, je vais ce qu'il faut. Ben, si tu veux Ruxo, il n'y a pas de souci. L'OCE qu'on a fait, que je vous ai dit qu'on ferait pour tout simplement pour en live comme ça et tout. Je pense que c'est un truc assez dur à faire parce qu'on n'avait pas trop réussi à avancer et tout. Donc ce que je ferai, c'est soit que je l'édite très vite fait moi-même de mon côté pour qu'ensuite je puisse vous montrer ce qu'il y a eu de nouveau et tout, ou alors soit je continue là un edit que je fais actuellement pour plusieurs trucs, plusieurs contests et puis pour le fun un peu aussi. Et voilà. Donc j'attends qu'on soit un peu les gens, hein. Partez pas, comme tout live j'attends que ça se lance un peu, que les gens arrivent. Parce que là on n'est pas assez. Putain, on perd des visionnages, ça répète. Bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Oula, on perd du monde les gens. Je sais pas si je vais annuler le live ou pas, mais je pense parce qu'il n'y a plus personne. Yo Game Music. Bon, pour ce qui est des beaux Twixtor, tout simplement, si c'est sur de la feed, un truc tout simple, c'est que en fait quand le tir se fait, alors il y a plusieurs façons de faire des Twixtor tout simplement. Je vais prendre un clip vite fait pour montrer. Alors attendez, voilà. Alors pour faire un beau Twixtor, il y a plusieurs façons tout simplement. Si c'est de la feed comme ça, par exemple tu peux mettre une clé au moment où il tire, quand tu fais ta synchro à 100, genre je vais te le faire vite fait. On a plusieurs façons de le faire, après ça dépend de ce que tu veux te donner comme style à ton edit. Tu peux en mettre une à 100, aller une image plus loin, ça c'est le plus basique à peu près. En mettre une à 140, aller là où le snipe est vers le plus bas à peu près. Donc par exemple, je sais pas moi, là, et en remettre une à 140, je fais ça vite fait, hein, c'est pour te faire comprendre. C'est là où le snipe est le plus bas, et là t'en mets une à 3, et ensuite tu vas au prochain tir. Bon, faut faire ta synchro là, je te montre sur le clip. Et tu vas au prochain tir et puis tu as juste à augmenter le speed de façon à ce que ça aille au moment où il tire pour faire le deuxième tir, et voilà, ça fera une synchro toute simple. Surtout n'oublie pas de régler ton input framerate au nombre de fps du clip. Donc pour le voir, tu vas dans projet et là tu peux voir 59,94, donc là tu mets 59,94, sinon ça te fera des trucs tout dégueulasses. Bobby, yo les gens, merci Bobby. Alors, Pourquoi c'est flou? Parce que t'as pas mis en 720p. Yol, salut Deserto. Enfin, je sais pas comment faut t'appeler, mais salut à toi. J'avais dit 2L. Merci SWL, c'est super cool. Bon, est-ce qu'on va arriver à atteindre au moins les 20 visionnages? Ce serait cool. Ah, Colvert, est-ce que tu as un souci? Parce que si oui, tu peux fermer ta gueule et rentrer chez toi. Mais si t'as pas de souci, tu peux rester et ouvrir ta gueule de façon polie et compréhensible. Si tu vois ce que je veux dire, petit Colvert. Regarde-moi ça. C'est pas une honte, sa chaîne c'est avec un C, le Colvert, et là c'est un K. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Faire une faute dans son propre nom, faut le faire quand même. Mais bon. Ah là là. Donc ensuite, ouais, sinon tu peux faire autrement. C'est partir sur le même principe. Enfin, ça c'est le plus utilisé. Moi je te conseille de faire lui le plus facilement, de faire lui en premier. C'est celui que tu arriveras le mieux, car c'est le plus simple. Mais surtout fais ton Twixtor quand le snipe bouge pas en fait. Faut pas le faire là par exemple si tu fais un Twixtor. Alors attends, laisse-moi essayer de trouver. Genre voilà, quand il se déplace là il est là et puis là il se déplace sur le côté. Ben là ça va faire tout flou parce que c'est dégueulasse tout simplement. Par exemple regarde, si j'en mets un à 3 là. Oui mais attends, faut que j'aille à 100 juste avant. Hop. Attends, j'essaie de trouver un endroit où c'est... Non voilà, alors imagine là quand il balance la grenade, genre là voilà. Si je veux en faire un là, et eh bien ça va être tout simplement dégueulasse parce que ça bouge trop. Donc là si tu vois... Voilà, on voit du flou partout et c'est vraiment pas beau. Suce la bite d'un nègre, ok mec Z, genre pour un motion tracking HUD sur un sniper, ça foire souvent. Z, genre pour un motion tracking ou HUD sur un sniper, ça foire souvent. Ben faut le faire, c'est à toi de prendre le temps de bien le faire et tout. Après ça dépend si ton sniper bouge ou si tu le fais sur un gros Twixtor. Vu que bah, si genre si t'es déjà sur un Twixtor et que ton snipe bouge pas trop et que tu le motion track là, ça devrait pas trop poser de soucis, c'est assez rapide. Mais si genre tu veux le motion tracker pendant que voilà, par exemple pendant que ça vise comme ça, hop, voilà, là c'est beaucoup plus long. Après faut le prendre le temps hein, et puis il faut faire les bons réglages. C'est à toi de tenter plein de trucs pour faire en sorte que ça rende le mieux. Parle bien à mon Z, fils de pute va, c'est fait exprès, t'es bête. Sixtine, tu fais des films porno. Colvert, ferme ta gueule FDP, ça te dit swall. Ok, excuse-moi swall. Voilà, tu vois, je t'ai dit, j'ai dit swall. Je répète les gens, si vous voulez un editing contest digne de ce nom, n'oubliez pas d'aller vous abonner aux 400, c'est-à-dire dans 22 abonnés, c'est pas grand-chose, hein, franchement, 22 abonnés. Et bien, il y aura un big editing contest qui sort avec 50 € de lot. En cash, parce que nous on est des mecs comme ça, nous en cash, en petite pièce de 2. Voilà, le mec il rage sévère. Non mais les gars vous prenez pas la tête hein. Colvert fait semblant, je le connais viteuf d'une convo. Voilà, salut Crimit me JTHHD. Excuse mais ton nom est quand même assez chelou. J'espère que je l'ai bien dit, sinon n'hésite pas à me dire en commentaire comment on le prononce. Bon les gens, n'hésitez pas à poser vos questions. Le truc de HUD, ben voilà. Coucou la caméra, et ben voilà. La caméra te dit coucou, qu'est-ce que je te dis? Bah, ta gueule Z. Bon Black, écoute, tu vas pas me casser les couilles, sinon ça va très mal se passer tous les deux. Hein. C'est très bien. Colbert, par bien Z ou tu vas aller faire un tour dehors. Ah là là. Merci aux dislikers, ça me fait toujours des vues. Hein. Franchement, je vous aime. La commu FR, quoi, c'est trop de la merde, j'avoue, Colbert, t'as vu. Aimes-tu les zizi? Fallait beat. Oh mais Tom. Oh ce mec il date. Allez dislike sa chaîne merci. Non je déconne, faites pas ça. Hop. Ensuite ben, allez-y posez vos questions hein. Je vais y répondre dès que je peux. Enfin dès que je reçois les questions. Parle français. Tu peux me faire une introduction? Non désolé en ce moment j'ai pas le temps. Ok, je vois ça, merci. Donc, c'est mieux de le faire sur un bon Twixtor. Je participerai, je pense à Tony. Ok, merci, bah, Bobby. Ouais, ben bah, après, ça dépend. Si si tu prends le temps de faire et que t'es vraiment un mec genre minutieux et tout, c'est après de toute façon c'est vrai qu'au début ça va te saouler, puis après quand tu l'auras, quand t'auras l'habitude de faire ce genre de truc, hein, ça va aller assez vite. Faut juste que tu trouves un endroit bien où le motion tracker, puis après il faut que image par image, enfin il faut que tu fasses un suivi de caméra et que tu le motion track ton truc. Après c'est vrai que sur un Twixtor ce sera plus rapide et ce sera moins chiant, et ça peut aussi rendre très bien. Oui, j'ai le plugin Keylight. Oui, Keylight, oui, je l'ai. Alors, salut Supreme Crazy, salut Zeka, tu te rappelles de moi? Oui, je me rappelle de toi. Crimit me... Ok mec, t'es nul FDP, ou ça clash à mort. Oui, j'ai le plugin Keylight. T'es viré, merci Black, je suis content. Continuez les dislikers, hein, ça me fait des vues, et puis ça fait du monde, c'est cool. Oui, ok, Lunatic Boy, excuse-moi. Ah Black, t'es un PD quand même. C'est marrant le disliker, mais oui, moi ça me fait plaisir, j'en ai toujours quelques-uns sur mes vidéos, moi franchement ça me fait des vues, et puis ça prouve que la communauté est vachement bien, franchement, c'est cool. Wow. Je sais pas ce qui se passe là, j'ai une perte de co. SMB Colver. Ok, ouais, je sais, il y a plus de 20 visionnages, c'est super les gars. Continuez. Posez-moi vos questions les gens, pour savoir. Tu pourrais faire un tuto en FR sur Keylight. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Keylight? Sur Keylight, ouais, bah, si tu veux, je vais t'en faire un tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais Keylight, tout simplement... Bah, ça, je l'avais déjà montré en fait, Keylight. Moi, le seul truc que je sais de Keylight... Attendez. Alors c'est dans... c'est là. Keylight. Bah, Keylight, ce que je sais c'est que voilà, si on fait ça, ensuite on peut... C'est utilisé pour les green screens souvent. Après je connais pas trop d'autres utilités pour ce truc. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, ça sert à faire disparaître un green screen, c'est un fond vert avec dessus des images, c'est utilisé dans le cinéma et tout, comme je vous avais montré la dernière fois, je sais pas si vous avez vu. Par exemple, il y en a qui utilisent en hardcore, je sais pas moi, imaginons des oiseaux qui passent comme ça sur un fond vert, et bien vous prenez Keylight, vous cliquez sur le fond vert et ça va vous enlever le fond vert, vous faites quelques petits réglages et puis voilà. Après moi je connais pas trop d'autres trucs, je sais pas si c'est ça que tu voulais savoir. Mais si c'est ça, ben voilà, c'est vraiment tout simple à utiliser. Après voilà, tu vois, il y a plein de trucs, mais je sais pas trop à quoi ça sert, parce que Keylight c'est pas trop mon kiff quoi. Enfin, j'utilise pas de green screen et puis j'ai jamais beaucoup utilisé ce truc. Les halls, ça fait des... Ok mec, celui qui ose me dislike, je lui fais bouffer Z. Lol. Tu peux faire tuto, ouais, tuto quoi? Attends, c'est toi, c'est... Ouais. C'est mon spam, ça a ramené du monde de toute façon. Merci mec. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment on fait l'effet de Wallach que Baker utilise? Envoie-moi une vidéo s'il te plaît et dis-moi à quel moment. En vrai, je fais le buzz, c'est pour ça qu'il y a autant de visionnages. Lol. MDR les jaloux. Bonjour Real, c'est à cause de moi. Moi j'ai dislike, merci Colbert. Ton best éditeur, pour moi mon best éditeur c'est... Je sais pas, parce qu'il y a des styles différents. J'adore Ne me rate pas pour le style qu'il fait. J'aime bien Noah aussi. Et après Nordic, j'aime bien, franchement, j'aime bien les musiques qu'il utilise. Et j'aime bien son style d'élite. Moi, je dirais, voilà, Noah, Nordic et Ne me rate pas. C'est des, ouais, franchement, c'est des gens que j'aime bien. Et voilà, après, je peux pas dire vraiment que j'ai des éditeurs préférés. Anti, FTG, FDPNTM, tu connais Dora. Ouais, Dora, c'est ma petite amie. Pour le ciel, pour les overedits, en fait, on change le ciel avec l'image Galaxy, par exemple. Ah oui, ben ouais, ben c'est... Je sais pas si ça se... Ouais, ça peut se faire avec Keylight. Ça se fait sinon par masquage par couleur, si je me trompe pas. Masquage par couleur, ouais. Alors attends, laisse-moi trouver un truc où il y a du ciel en fait. Un truc où il y a du ciel. Ouais, il y a du ciel, mais là tu vois par exemple, il faut souvent c'est des ciels bien colorés parce que là tu vois si je le fais, voilà. Hop. Voilà, si je le fais, ça le fait pas du tout. Souvent faut des... Puis il faut le faire sur une CC aussi, quand le ciel est bien blanc ou quoi. Après, c'est juste ça à faire. Hein. Je sais que IE a fait un tuto sur ça avec le masquage par couleur. Après moi, ça c'est vrai que j'utilise pas trop ça. J'aime pas tout ce qui est HUD et tout, je sais pas pourquoi, mais c'est pas trop mon kiff. Je m'y mettrai peut-être plus tard ou quoi. Mais c'est vrai que tous ces trucs comme ça, j'aime pas trop. Voilà, je te fais de la pub, il y a du monde qui vient de vous aider, je peux pas rester plus longtemps. J'ai fait une vidéo pour mes 500 euros. Ok, ciao, Swall. Rizu Zébu, ouais. Ouais, pour ceux qui savent pas, Zébu c'était mon ancien nom. Oula, il y a du people. Dora, please, vive les beats black. C'est quoi les rendus sur Sony Vegas qu'il faut faire pour que nos clips soient en 59.94? Dégage, Mamadou des bananes, grosse beat black, comme il a dit mon nom. C'est quoi tes rendus? J'ai déjà fait un tuto donc je vais vite fait le mettre en description. Et puis ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce que vu que j'utilise plus trop Sony Vegas, même moi je sens que je vais pas me rappeler de mes trucs. Enfin, j'ai mes trucs prédéfinis, mais voilà. Ce que je te propose, c'est d'aller voir le tuto que je vais mettre dans la description. C'est un tuto sur les rendus After Effects et Sony Vegas et comment vérifier qu'un clip est en 59.94. Donc voilà, il est assez complet. Dans la description tu auras le temps, les minutes où je fais sur quel, je sais plus parler français, mais là où je fais sur quel logiciel en fait. Par exemple de 0 minutes à 3 minutes After Effects, etc. Voilà, pendant le tuto hein, j'étais malade donc vous faites pas trop à ma voix. Hop. Genre ça. Non mais je pense savoir ce que tu veux dire. Je connais je pense, mais le problème c'est que je l'utilise pas trop. Ouais ça voilà. Ah mais alors ça tu vois c'est un ciel c'est un vrai ciel quoi, c'est pas du ciel de jeu. Et souvent il est de la même couleur donc c'est sûrement plus simple. Là comme je te dis par exemple Scrapyard, comme tu vois il y a des nuages et tout, il est un peu jaune, bleu. C'est plus dur, souvent ça se fait pas sur n'importe quel... sur n'importe quelle map, voilà, excusez-moi. Hop. Dora, Nordic please, Nordic please. Ok, je comprends pas trop. Tu pourrais me faire un osseux? Désolé, non, j'ai pas le temps en ce moment. Je suis gay, je veux des zizi. Ok, tant mieux pour toi. Fucking violus de back effect terre. Voilà, de back effect. Voilà, 0. Il est peut-être gay, mais il baisse ta mère tous les soirs. Oh, ça me répond plus. J'ai rendu à eux, c'est H264. Ouais, je suis Guédra, Bakur, il est trop fort. Je joue que ton live posé avec mon gâteau au flanc, je t'aime. Si Bobby, t'es trop con, mec. Ah, attends, si j'ai bien compris ta phrase, Sky Production, l'édit s'appellerait Fucking Vicious et c'est à 0,58. Si j'ai bien compris. Ah, ouais, c'est ça. Excusez-moi si vous entendez la moto ou quoi, mais ça j'ai plus rien. Ah ça. Alors ça comme je dis, tout ce qui est HUD et tout j'utilise vraiment pas. Après je pense tout simplement qu'il a fait un masque d'un personnage. Donc tu prends vite fait un screen d'un mec comme ça. Et il l'a fait apparaître, il a rajouté quelques petits effets dessus. Donc je pense des effets de contour et tout. Ensuite il a rajouté alors je crois que c'est l'effet gris ou je sais plus. Ouais, je crois, puis en animant tout ça, mais il me semble, je suis pas sûr, mais que lui, il a fait un tuto là-dessus. Et comme je dis, les gens sur les HUD et tout, franchement, j'utilise pas trop ça. Je me mettrai à la 3D et tout plus quand j'aurai mon autre PC, parce que Franchement, sur ce PC, j'ai vraiment la flemme vu qu'il est pas forcément bien. Et... mais Keylight, je crois même pas, je l'ai pas craqué, il me semble. Hein. Je sais pas si c'est que t'es sur CS4 ou quoi, mais normalement sur CS6, il me semble qu'il y est direct. Je looked. Ah, mais ça, je les ai déjà vus, c'est bon. Ouais, je pense pas que. Ouais, non, franchement, je crois que c'est bon. Regarde, à côté de la merde, on veut un edit live, gros gay. Eh ben, ta gueule, Maël, on ne pose pas de grosses questions sur ce que je sais faire déjà, parce que si je savais tout faire, je pense que j'aurais plus de 400 abonnés. Et voilà. Alors, utilise un effet de voilà, c'est comment on fait. Ben, je viens de te répondre, voilà, donc je t'ai dit vite fait, il a dû faire un masque d'un personnage, et puis ensuite il a mis un peu plus petit et tout. Il a sûrement motion traqué, et il a calé ça avec un peu d'opacité et tout. Et puis voilà. Putain, je passe à télé, puis sérieusement, depuis quand tu as commencé à éditer? Pourquoi? Alors comme j'ai dit, j'ai commencé il y a, on va dire, ouais, 7 mois à peu près. Je me suis vraiment mis à éditer il y a 4 mois, parce que pendant 3 mois, j'ai fait que des édits, des épisodes de gens, donc j'ai pas trop progressé. Et voilà. Et pourquoi? Bah, parce que j'en avais marre de jouer tout simplement à Call of, et j'avais envie de faire d'autres trucs, sachant que j'aime bien créer des choses et tout. Le premier montage que j'ai fait, c'était sur Dofus. Ouais, c'est pas une blague, mais ça date de vraiment il y a très longtemps. Et c'est depuis ce moment-là qu'ensuite j'ai commencé à découvrir Sony Vegas, After Effects, et puis après j'ai vu des éditeurs un peu style Udex et tout qui m'ont donné assez envie d'éditer. Et puis des gros montages, et puis petit à petit j'ai commencé à éditer, il y a eu de plus en plus de gens qui me demandaient des épisodes et tout. Et puis voilà, après ça va comme ça, hein. J'ai recréé plusieurs chaînes parce que j'en avais fait sur une première que j'ai arrêtée, je sais plus pourquoi, une deuxième parce que j'avais un gros problème de copyright, et maintenant on est sur celle-là, et puis elle marche bien, et je suis content, j'ai des abonnés bien actifs, et voilà, franchement je passe du super temps. Même si y en a qui sont des fois assez lourds pour les édits, qui sont pas compréhensibles. Genre si on leur dit non, ils vont... Je me suis mangé un dislike bot d'un mec parce que je lui ai dit non, que je voulais pas l'éditer. Et voilà. Donc c'est tout. Après, j'y peux rien. Hop. Bon, ensuite, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre sur la synchro, motion tracking, des petits effets ou quoi? Après, si, évitez de me demander des trucs qui sont connus, quoi, où il y a plusieurs tutoriels, enfin plusieurs, même des centaines ou quoi, parce que c'est un peu perdre mon temps. C'est vraiment demander des petits trucs où il n'y a pas forcément de tutoriel, genre sur le pan crop ou quoi, ou sur les cinématiques, la synchro, après des questions personnelles, moi sur l'édit, ou même comme là on m'a demandé sur pourquoi je commence à éditer et tout, mes projets, des trucs comme ça. C'est vraiment pour parler un peu de tout. Je cherche une team. Bon, c'était là pour faire ta pub, mec. En plus, je pense pas que tu trouveras de team en faisant ça, quoi. Fais des contests, enfin fais des recrutements de challenge et voilà. Bah allez, les gars, dans un abonné, il m'en manquera plus que 20 pour pouvoir sortir ce putain d'editing contest qui va envoyer du lourd, je le sens. J'espère qu'il va avoir plein de monde. Bon, mec, excuse-moi, mais là t'abuses. Voilà. Alors. Donc pour ceux qui n'arrivent pas forcément à mettre des coms ou quoi, vous pouvez m'envoyer par message YouTube, par Skype, même si c'est mieux quand même de mettre dans les coms, ça m'évite de faire 36 000 allers-retours entre les pages là, comme je fais actuellement. J'ai trouvé Keylight, j'ai essayé de le crack toute l'après-midi pour... Ouais, je te l'ai dit, normalement il est direct, hein, moi je me souviens pas l'avoir. C'est pour ça au début quand t'as dit plugin, j'ai fait oula, j'ai jamais crack ça moi. Après vous pouvez poser des questions sur les bumps automatiques, les trucs comme ça... Ouais, les effets automatiques, un peu de trap code, pourquoi pas. Après, je sais pas trop. Comment tu gères la synchro? Ah oui, alors j'ai parlé. T'as quoi comme PC, gros? Alors, comme PC, tout simplement, j'ai un HP en 64 bits. En i3, donc c'est ça mon problème. Normalement je vais passer en i5 et je vais passer en 16 Go avec une meilleure carte graphique parce que j'ai vraiment une carte graphique de merde. Donc voilà, je suis en 8 Go 64 bits. Bon, ça c'est suffisant, hein, pour faire tourner, pas trop laguer, mais bon, c'est vrai qu'il y a mieux quand même. Et comment tu gères la synchro? Ben, ça dépend de la musique. Genre s'il y a des musiques où il y a des beats genre vraiment distincts, et ben je vais faire une synchro sur les beats. Sinon là par exemple sur l'edit que je suis en train de faire, je fais un truc basique, alors je laisse à 100, ensuite ça passe à 3 sur un gros Twixtor, et hop, de 3 ça monte au nombre qu'il faut pour que ce soit synchro. Par exemple tu vois là il m'a fallu 473 speed pour que ça soit synchro. Si je vais un peu avant, c'est à dire là, non, je vais aller ouais là par exemple je suis parti sur un 100, puis direct un Twixtor à 3, et puis ensuite pareil hein, j'ai monté selon ce qu'il me fallait pour que ça tire. Donc là c'était, tu vois, c'est 60, là c'est 73 000, voilà. Après voilà, c'est comme ça que je fais mes synchros. Il n'y a pas de la zik. Comment ça? Comment tirer la synchro? Mais comme j'ai dit, la zik, s'il y a des bumps, par exemple 3 bumps genre poum 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 comme ça, ben, au premier ça va être le tir, au deuxième ça va être un premier ralenti, ensuite un accéléré et un ralenti au troisième, et hop ça va tirer au quatrième, enfin des trucs comme ça. Après si c'est du rap ou des trucs comme ça, ben ça dépend. Wow. Je vais allumer la lumière parce que je vois plus rien. D'abord je regarde vite fait. Après voilà, ça dépend de la musique, ça dépend de ton style. Tu peux faire des trucs bien saccadés pour faire un peu de l'overedit ou quoi. Tu peux faire des trucs bien clean. C'est vraiment à toi de gérer. C'est faux, t'as un ordi de gitan. Ok mec, j'ai un ordi de gitan, excuse-moi. Continue le CE que t'avais commencé en live. Non, j'ai dit que je la continuais pas parce que c'est assez dur. Le cover fuck you, noob, synchro sur des beats. Ok, ce mec il a pas de soucis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu gères un peu la synchro? Je m'abonne, comme je suis une grosse merde, je voulais savoir comment utiliser le Twitch sur Sony Vegas, c'est genre incrusté, genre de bulles, etc. Sony Vegas, j'utilise pas, mec. Après, je pense que il me semble qu'il y ait le plugin Twitch sur Sony Vegas, donc je pense que ça doit pas être trop différent. À la limite, tu regardes des tutos, je pense que tu dois trop avoir trouvé. Yo, Skikda. Lundi, j'ai un gros PC qui m'attend, je vais m'acheter un écran pour pouvoir me lancer un peu dans l'édit, genre éditer des trucs clean avec juste genre CC, MT, ralenti sur mes épisodes trickshot. Je sais pas si je pourrais t'aider, je suis overbooké en ce moment, en plus je suis en période d'examen, donc je sais pas, on verra. A24, l'effet, effet comment? Oh le monsieur jeu de mots. 204. J'aime les gens qui m'envoient des trucs de phase, les gars. Si j'avais le niveau phase, on le saurait. Enfin, le niveau phase, y a pas forcément de très bons visiteurs, mais... Alors... ouais, attends, il y a plusieurs effets, je crois. Ah non, ça ressemble à un CC Lens, mais amélioré. Ça aussi, je l'utilise pas trop. C'est quoi ça? Ouais, ça ressemble à un CC Lens. Alors ça remonte à très longtemps, parce que c'est un effet qui est plus du tout à la mode, qui est pas utilisé. Enfin, qui est plus trop utilisé, on va dire. Je vais pas dire qu'il est pas utilisé. Ok, t'inquiète, j'ai remercie. Alors attendez, je regarde les messages. Oui, mais arrêtez de m'envoyer les messages sur Skype et commentaires en même temps, j'y réponds, c'est juste qu'il y a un décalage et j'ai plus rien. Ouais, désolé pour Sony Vegas, mec, franchement, je peux pas trop t'aider. Après, je pense qu'il y a Twitch, à la limite, tu regardes un tuto sur After Effects, ça doit pas être très différent, ça m'étonnerait. Après, voilà, pour éditer, de toute façon, faut qu'il y ait de la logique. Faut que quand tu vois un effet, t'arrives à le travailler pour faire autre chose avec. Et voilà. Après là pour le CC Lens, je vais essayer de voir ce que c'est. Alors ça, faut que je me rappelle comment on fait, ce qui risque d'être très dur parce que ben, c'est vrai qu'il y a très longtemps que je peux utiliser ça. Je sais même plus où c'est. Ça doit être en déformation. Voilà. CC Lens en fait ça fait ça. Mais alors comment il a fait lui? Alors ça c'est quoi ça? Ah ouais, mais il a dû faire un... Non, alors, il a dû faire un truc comment? Il a peut-être fait un truc comme ça. Et je sais pas s'il a baissé l'opacité, je sais pas si ça change un truc. Ouais, je pense que ça ressemble un peu à ça. Ouais, par contre, je sais pas du tout ce qu'il a rajouté. J'avoue, tu te fais pas chier à chercher les messages Skype. Si, un peu, vraiment beaucoup même. Je me fais très chier à chercher les messages Skype, tout simplement parce que ce Skype ne s'actualise pas, je sais pas pourquoi. Il y a des fois où il les fait pas, donc du coup les messages, normalement quand on reçoit un message ou qu'on envoie un message, le mec à qui on parle est censé monter dans la liste d'amis, mais enfin dans la liste des contacts, mais là ça le fait pas. Tu penses Edith sur BO2 sur du... Ben, quand j'aurai mon nouveau PC et que je m'achèterai BO2, ben, je pense oui je pourrais faire du... Je pourrais, de toute façon, quand j'aurai mes nouveaux trucs ou carrément un nouveau PC, je pourrais faire plus de choses, je pourrais rec moi-même mes trucs. Et je pourrais ouais, faire du bot mode en gros, enfin du privé pour pouvoir faire des trucs en 300 fps et tout. Ouais. Alors ouais, donc du CCLN, je pense c'est ça, hein, franchement c'est tout simplement ça. Tu dupliques ton calque, tu mets le CCLens à l'endroit où tu veux, tu le mets à 0 et par exemple là si tu veux qu'au moment du tir il y a un CCLens, hop voilà par exemple là tu le mets à 0 et genre quand il est là tu le mets à 500 et là ben, ça va faire quoi? Ça va faire hop, bam comme ça et tu vois ça fait un... Alors après tu peux le mettre, là je l'ai mis rapide, hein, tu peux le mettre beaucoup plus long. Genre que ça fasse tac comme ça et même là encore c'est rapide, lui il avait l'air de le laisser longtemps. Voilà comme ça. Et après je pense qu'il a rajouté franchement je vois pas trop ce qu'il a pu rajouter. À moins qu'il ait rajouté une CC sur son calque CC Lens. Mais ça me paraît un peu bizarre. Je pense pas. Franchement je sais pas du tout. Désolé mais ça ça c'est des effets un peu que les mecs trouvent tout seuls. Donc ben, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même en 200 fps. Je l'ai rec moi-même sur Fort Delta One. Donc je l'ai fait que sur MW2. Pour le moment parce que bah, j'ai pas d'autres jeux puis mon PC vu qu'il lag un peu et que tous les jeux n'ont pas ce qu'il faut pour faire des bonnes cinématiques, donc je l'ai fait moi-même. Je pense que je peux montrer vite fait comment on fait genre ouais normalement ça devrait le faire. Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a Nate? Ah ouais je suis toujours en live. Ouais c'est... Non non normalement on t'entend pas. Tu sais que c'est la première fois que j'entends ta voix mec. Ouais, ok. D'accord, mec. C'était ça, tu voulais me dire ouais. Non, tu voulais pas me dire ouais. Bon, alors attendez, je vais vous faire comment je fais les cinématiques. Sinon, ça va, mon petit Nate? Ça va. Ouais. Putain, mec, c'est la première fois que j'entends ta voix en vrai. Je l'imaginais pas comme ça. Je sais pas. Genre une voix normale, tu vois, une voix pas trop grave mais pas trop aiguë, genre voilà. Enfin je sais pas. Là t'as une voix, je sais pas, j'ai l'impression que t'as une voix un peu comme moi. Enfin je sais pas parce que je sais pas mon micro il a pas, j'ai pas la même voix en vrai, je sais pas pourquoi. Et pourtant le triton normalement c'est censé faire un bon truc mais non. Non, non, mais genre moi, la première fois que j'ai appelé un mec de Skype via téléphone, il a pas compris. C'est pas du tout pareil. C'est balèze d'être éditeur, ben, c'est pas que c'est balèze ou quoi, mais si t'aimes ça et que t'arrives à progresser un peu, ben après, ouais, ça peut être cool pour toi d'éditer. Après, balèze, je sais pas ce que t'entends par balèze, mais... Enfin, si tu parles du respect de la street, tu vois, comme on dirait, ça change rien, quoi. C'est juste que les gens vont plus te demander des trucs vu que tu demandes pas grand chose à des players souvent. C'est tout. Non, Nate il est nul, Nate. Yo Ray Editing. Je sais pas, tu m'as parlé d'un truc mais je sais pas. Non, je sais pas. T'es dit un Synergy mais t'es une grosse racaille mec. Et c'est Synergy qui? Synergy qui? Est-ce que sur le live on voit MW2 ou pas? Ah ouais on voit. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là je vais faire vous montrer comment je fais vite fait mes cinématiques. Et ce que je vais faire dans la suite du live, ça dépendra des questions et de si je suis toujours en vie à la fin du live. Voilà. Donc tout simplement, bon après il y a des réglages à faire et tout, ça je ne vais pas vous expliquer vite fait mais je vais vous montrer comment on fait, comment je fais mes cinématiques, c'est pas vraiment pour vous faire un tuto ou quoi, hein. C'est donc pour ceux qui se demandent, là je cheat pas, hein, c'est juste Fort Delta One, donc c'est pour ça que j'ai une console d'ouverte, hein, c'est pas que voilà. Sur Fort Delta One, pour ceux qui connaissent, il y a la console pour faire plein de trucs trop qui coûtent, la mort qui hute, et voilà. Putain. Bah, c'est dur, long, etc. C'est pas que c'est dur ou long, ça dépend. Si t'es un mec plutôt créatif, tu vas y arriver. Si tu prends le temps si tu prends le temps d'apprendre, tout simplement, tu vas y arriver. Si t'es dit assez souvent et que tu tentes des nouveaux trucs, bah, tu vas y arriver. Après, voilà, c'est toujours pareil, hein. Par exemple, si t'es en internat et que tu édites tous les week-ends, c'est sûr que tu vas mettre plus de temps qu'un mec qui... Tu vas partir en internat, Nate, mais c'est bon, tu vas perdre tout ton niveau alors. C'est cool. Ça va, arrête-toi. T'es le mini nordique, mec. Non. Ouais, mais je connais plus le Nordic pour ça, en fait. Bon, mon Modern Warfare a totalement crash, c'est plutôt cool. Je suis assez content. J'aime quand ça crash. Bon, alors attendez, je vais relancer. Ah ouais, non, mais là, c'est même plus qu'il a crash, là. Je peux même plus le fermer, en fait. Ça va, j'aime tes vidéos, gros. Ben, merci, mec. Attendez, je relance MW2. Nate, tu m'apprends à edit. Si je suis sage. J'ai dit que j'étais sage. D'accord. Ah, merci, mec. Je savais que je pouvais compter sur toi. Fuck up. Tac, 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 tac. On recommence. Voilà. Alors. Ah oui, mais j'ai pas lancé frappe, c'est cool. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je compte pas faire de cinématique. Ouais, je l'ai fait sur ordi, ouais. Un joueur PC? Non, je sais pas, c'est pas... Enfin, je joue plus sur console, d'ailleurs, tu sais, la console, je dois la vendre à... Ma Xbox, je dois la vendre à Greg, mec. Ouais, parce que lui, il veut passer sur Xbox et donc je dois lui vendre. Enfin, il me l'achète. Et du coup, ouais, je l'ai fait... Ouais, déjà, ouais. Non, surtout avec Fort Delta One, là. Bon, il y a eu un bug comme quoi on pouvait plus faire de partie privée, mais c'est bon, il est réglé, enfin, il y a un truc à faire. Tu connais Face Ninja, anciennement Soar? Oui, je le connais. Z, le petit sexe. D'accord, mec, si tu le dis, c'est que t'as dû vérifier. Appelle-moi, toi, tu manques. Bon, j'ajoute Bobo. Oh non, Bobo et Nate, ça va pas le faire. Oh non. Ouais, ben, heureusement que je mets pas le micro sur le live parce que... Ouais, Bobo, je suis en live. Non, pas vous deux. Je savais que vous deux ensemble, ça allait pas le faire. C'est toi qui veux des cookies, mec. Bon alors pour les... Ouais, vas-y, ça fait au moins 15 fois que tu me dis ça, ferme ta gueule. Bon, pour les cinématiques, les gens, bah, je les fais comme ça, en fait, vite fait. Bon, là, j'ai pas frappe de lancer, mais en gros, par exemple, si je veux faire une cinématique où je tue un mec comme ça, tout simplement, j'ai juste à faire... D'accord, j'ai juste à faire spawn un mec, comme ça, tu vois, il est tout beau, c'est un bot. Et tout simplement, ensuite... je fais une commande comme ça pour qu'en fait ça fasse disparaître le nom, et quand je vise, voilà, vous voyez, il n'y a plus de viseur. Et par exemple, je m'allonge. Non, je voulais pas faire ça. Je m'allonge, par exemple. Non, on ne vous entend pas. Non, t'inquiète. Par contre... Attendez, il faut que je fasse un truc... Hop, hop, hop. Ensuite, voilà, je règle de façon à ce que ça fasse des noscopes. Et hop, hop, Hop. Et tout simplement, je m'allonge, je mets le timescale à 0.1 pour que ce soit au ralenti. Vous voyez, donc là c'est au ralenti, si je vise, voilà, c'est au ralenti. Et je fais la cinématique comme ça, j'ai juste à tirer, et puis là, hop, on voit le mec qui meurt tout doucement et je rec. Et puis voilà, et puis après sinon je fais ça en mode spectateur et tout, puis c'est trop cool, de la mort qui tue, voilà. Alors Nate, on va voir son HUD. Vous qui voulez des HUD, tiens. Ah ouais mec, ah, tu devrais rajouter plus de trucs encore. Je trouve que ça manque de trucs. C'est quoi Bobo que t'as envoyé? Tu fais quoi comme edit là? Ah d'accord. Mets leur micro Skype en fond. Non, parce qu'il faut que je règle un truc et puis ils disent trop de conneries. Ouais, mais j'avoue, ah, c'est moi ou c'est un effet, tu sais, les effets là des trucs de toutes les couleurs qui partent et tu l'as stoppé et tu l'as. T'as fait ça, Bobo? D'accord, d'accord. Moi aussi, je suis en train de faire un edit, ouais. Ça... Tu es plutôt nordique ou ninja? Je suis plutôt nordique, moi je suis un fanboy de nordique, moi. Pas vrai, Bobo? Pas vrai, Bobo. Ah, tu te souviens, Face Ninja. Nordique, ouais, ajoute Nordique s'il est là. Dommage, dommage. Ah mec, t'as vu Tony, c'est un bâtard, il est presque au 1,1 déjà. Lol, excuse-moi, c'est surtout grâce à Editor Club, ouais. Mec, ben oui, et ça tout le monde le sait, ça. Bon les gens, n'hésitez pas à poser vos questions pour la suite du live. Ouais. Ah Bobo, tu l'as vu la deuxième partie du Winning Style? Enfin la preview de la deuxième partie. Vas-y. Mais t'es con, ton clip j'ai déjà édité. Tu veux que je le mette 4-5 fois ton clip Bobo, comme ça tout le monde le voit? Non, il pue la merde, il y a seulement la clickcam en plus. Mais oui, parce que voilà, il s'est fait putain, bon, il arrêtera de me casser les couilles comme ça. Allez, 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 c'est ce qu'on dit tous, et puis... Ouais, coupe ton micro, Bobo, je suis en live, je te rappelle. Ouais, mais moi, je vous entends. Bah attendez, je vais essayer de régler, faire en sorte que vous les entendiez parler alors. Voilà, respecte-moi, je suis en live mec. Bah, ce qu'il t'a pas dit Nate, c'est que Bobo il a fait un live en même temps que moi et qu'il avait j'avais les triples de ses vues. Arrête-toi mec. Mec, j'ai 300 abonnés, t'en as 1800, qu'est-ce que tu parles avec moi? Toi t'es pas obligé de faire des spams, je te rappelle. Ouais, il dormait, ouais. À 8h, il dormait, ouais. Ah, dites-moi si vous les entendez sur Skype, là. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Enfin, je sais pas. Tu peux faire des dédits. Désolé, mec, je suis pas une meuf, j'ai pas de seins, je peux pas te faire des dédits boobs ou ce que tu veux d'autre. Voilà, il y a Bobo, il peut te faire une dédie couille si tu veux, si ça t'intéresse. Oh. En gros, tu marques ton nom sur ta bite et tu... Tcha. Mais oui, mais des dick, c'est ce que ça veut dire, une dick. Et ben voilà. Et ben tu fais une dédie sur ta queue et ta queue, tu la rentres dans le as. Voilà, là ça craint. Donc Nate, arrête de dire de la merde, s'il te plaît. Dites-moi les gens si en commentaire vous les entendez. Je suis sûr que non, je vais encore galérer. Non, je pense pas. Bah là-bas, j'étais censé faire un live seul. Hein. Ouais, non, mais les gens au début ils disaient, ah, il y a trop de décalage. Genre, il y en a un, il m'a fait, il y a 10 minutes de décalage, tu sais, ça va. Genre, le live, ça faisait 3 minutes qu'il était sorti, mec, il me fait, il y a 10 minutes de décalage. AT400, on fait le C, je suis en train de le finir. Comment tu peux finir un non-traditing contest sachant qu'il n'est pas encore sorti, mec? Ouais, il sait même pas les règles. Non, c'est... Non, mec, il y a 50 euros en jeu. Enfin, en tout. Le premier, il y a 25 euros, plus upload, plus un dual edit avec un des 4 éditeurs de son choix, plus une chance de rentrer Imagine Edit et une chance de rentrer. Il y a Tony, il y a moi, il y a un Synergy, un éditeur Synergy, je sais plus quoi. Non, mais tu gagneras. Tu gagneras pas, mec, donc dans tous les cas, voilà. Pour tes 0.4K, tu peux faire pack de cinématique, je sais pas, parce que déjà de. Ben, je pense pas, parce que vu que je l'ai fait en 200 FPS, c'est très lourd. T'es con. Comment il faut faire alors pour mettre 2 clips à la suite sur CS6? Ben, tu mets tes 2 clips dans ta composition et tu les colles. Qu'est-ce que tu veux que tu dises? Non, mais c'est vrai. Bah ouais, moi je réponds à tous mes commentaires, moi je suis un mec proche de mes abonnés, t'as vu. Donc je disais, pour les 0.4K, je pense pas faire de pack de cinématiques parce que c'est du 200 FPS et que c'est très lourd. Ouais mec, on me demande des packs de cinématiques, c'est lourd comme Pobo, t'as vu, donc je peux pas. Mais il y a, l'editing contest, donc voilà. Non, pas ça MDR, tu dis le nom de ma chaîne, tu m'as tué. Oui, bah dédicace à toi, Skyzing G avec un grand G et prod. Bonjour Bobo. Pas assez fort, on entend juste en fond, tout petit, on comprend pas. Désolé les gars, mais je sais pas comment on fait. Bonjour Bobo, non, on n'attend pas. Montre ton meilleur montage. Mon meilleur montage, pourquoi tu veux voir mon meilleur montage? Tu vas sur ma chaîne, tu regardes les montages et... Mec, le MW2 que tu as, il a besoin de Steam ou pas? Qui? Hein? Non mais je le prends pas. Oh non, je venais de craquer CS6. Non mais je le prends pas moi. Ah. à moins qu'on puisse le mettre. Oui, donc grande annonce aujourd'hui au journal du live edit de Z, le CS7 est sorti. Non mais ça c'est Bobo donc. Non mais Bobo a annoncé, mais Bobo est un gros menteur donc c'est impossible. Non je déconne, ben. Vas-y, mais où c'est que vous le voyez? Envoie. File-moi 1 euro PayPal, s'il te plaît, sérieux? Je suis sûr qu'il y a que de la merde, mec. Je suis sûr ils ont fait quoi? Ils ont mis Twitch dans le logiciel et c'est tout, allez. Je suis sûr... Ah ben vas-y, fais pas style, les mecs ils connaissent tout, hein. Oui, le MW2, non, c'est pas Steam, c'est Fort Delta One, donc il n'y a pas besoin de Steam. D'ailleurs, ouais, c'est même conseillé de l'ouvrir sans Steam parce que des fois ça bug. Yo, Golded. Avec quoi tu fais les bots là? Avec le mode là, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais le trouver. Le TSD Movie, voilà, c'est un truc que vous tapez ça sur YouTube, vous trouverez. C'est payant, gratos, non, c'est payant. Gratos. Mec, 3000 tu vas payer. Non, c'est payant. Enfin, faut me payer. Voilà. En clair, c'est pas cher. Ah, CS7 est sorti. Apparemment, il n'y a pas de crack sur YouTube. Go Google. Le live dure jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Non, je verrai. Mec, qu'est-ce qu'il y a, Clarch? CS7 est pas sorti. Bon, on va faire ça en live. Adobe. Oula, attends, je vais vraiment allumer ma lumière parce que là, c'est plus possible. Voilà, je vous re-entends. Désolé si ma chaise fait genre trop de bruit. Adobe After Effects CS7. Première Adobe logiciel effets spéciaux téléchargés. Ah ben vous savez ce qu'il y a de nouveau sur After CS7? Adobe After CS7 tout inclut de live 3D pipeline with Cinema 4D Lite. En gros, ils ont mis un truc qui est en rapport avec Cinema 4D. Ouais, c'est tout. Il y aura C4 d'incrusté dedans. C'est mon beau-frère qui est camé. ou attention, edit by kebab. Bah kebab, je te mettrai un message plus tard. Je sais pas parce que là j'aime plus. Oui, il l'a viré. C'est quoi le site SunPV? Bah mec, tu tapes comme moi de After Effects CS7, j'y suis plus dessus. Vu que t'as 4D1, faudrait qu'on fasse des games. Oui, si tu veux, ZPD, y a pas de soucis, JZX, comme ta mère, allez. Et les nouveaux Adobe sont sortis, oui. Prebd, un joint et... Prends un joint et fais tourner. Non, je suis radin, désolé. Pourquoi il fait quoi? Encore? Ah mais comment il est bizarre! Non mec, moi rien que pour ça. Ah ouais, c'est Cinema 4D dans After Effects. Non. Ouais, moi aussi. Ah si, putain, mais c'est cool. Ouais, mais non, moi aussi, ça va. Je l'ai dit. Mais Clarche, je l'ai lu de toute façon aussi. Donc, fais-moi une Daddy Boobs au nom de Mickey sur le sein droit et de ma sœur Anne Sodomi sur le gauche, step. Désolé. Te moque pas de moi, mec, j'ai 15 seins. Alors arrête de rigoler. Alors la blague de Nate, pour ceux qui n'ont pas entendu, j'ai dit j'ai qu'un sein, il m'a fait non t'es pas un sein. Alors en nature, en espèce ou par carte? Par le tout, enfin tout. Bon les gens, là-bas c'était censé être un beau live edit et vous avez plus de questions. Putain. Ouais, c'est toi le bide mec. Excuse-moi, même moi je fais plus de vues que toi, je t'en veux pas, Bobo. Bref. Ouais, ben. Fur. Ok, mec. Ok. Ok, mec. Sinon, Bobo, t'arrêtes de dire de la merde. Je crois il. Mom, I need new pants. Ok. Mais c'est que ça mec, c'est trop connu. Ah mais il y a le Martiniquais. Mais le Martiniquais, il est pas au lit là. Mais attends, mais c'est un gros geek le Martiniquais alors, parce que là il est. Ah non, ils ont 7 heures d'avance. Non, il y a 7 heures mec en Martinique. Bah je sais c'est du retard mais mec quand je vivais là-bas c'était 7h, tu vas pas me dire c'est 5h maintenant. Ah non ouais je confonds, non c'est 5h et c'est 7h de vol. Ah tu vas pas me casser les couilles mec. Non mais moi c'était à... oui mais quand je dis 7h c'est arrondi, voilà c'était à peu près 7h je me souviens. C'est quoi le but de ton live? Ben c'est un... Y a pas de but en fait. On fait ça au feeling. Si tu passes un beau moment tant mieux, sinon non. Dis à Bobo de la part. Ouais, dis. Alors JZX, dis. Oula attends. Dis à Bobo de part. Mec ça veut rien dire. Bon bref, Bobo, ça va la mâchoire? Ça va la mâchoire? Non, il veut que je dise ça va la mâchoire. Ah, oh, il a dit qu'il fallait que tu lui présentes sa sœur. Enfin, ta sœur. Ça buvait quand même, hein? Demande à Nate de faire des live edits. Mais il s'est pas édité en fait. Donc c'est dommage. Lâche tes potes et réponds aux questions. Mais je réponds aux questions mec. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi la bite, mec. Go, tu fais un OCE du mieux que tu peux en 10 minutes. Ah les gars, je le fais le truc que le mec m'a donné ou pas? Il m'a fait le meilleur OCE que tu peux en 10 minutes. 10 minutes, c'est rien. Et mec, en 10 minutes... Le... Ouais, vas-y, alors... ouais, mais d'abord... Mec, d'abord, on commencera dès que j'aurai trouvé la musique alors, parce que sinon je vais galérer, ça va pas être possible. Non, non, mais je vais faire un truc rapide, mec, je vais essayer de synchro deux clips et voilà. Ah non, Noceux, bah non, Noceux, c'est bon, un clip. Attends, non, je trouve une musique. Mais il y aura pas de motion track, il y aura rien. Allez, c'est parti, je fais un océan en 10 minutes. Dès que j'ai trouvé la musique, je commence. Ouais, j'ai vu ça, c'est... Les gens, n'hésitez pas à proposer des musiques, ça m'aidera. Il a toujours pas payé. Ah Bobo, t'es une pute, tu veux de l'argent à tout le monde, mec. Alors Nate a dit de pas faire les contests à Bobo parce qu'il vous payera jamais. Bobo va faire un contest, mec, il va avoir une personne qui participe, ce sera qui? Ce sera Bobo. Mais... Non mais allez, vas-y, ouais, ah 220 non même. Non mais mec, c'est pas parce que t'étais là, hein, c'était parce qu'il y avait Nordic et Crimzy. Bah en même temps, il est inactif. Quel bolos. Quel bolos ce type. Alors, Z, as-tu eu des relations extra-conjugaux dans ce cas-là? Avec des animaux ou autres spécimens vivants? Ouais, avec Bobo. Ah, il a dit que c'était même pas l'animal. Ah. Non, c'est pas toi qui me l'as envoyé, mais bon. Elle est bien la musique que tu m'as envoyée. Ah, la personne qui m'a envoyé la musique, elle est bien, mais je l'utilise pas pour le live. Je la garde. Non, je parle pas de toi, mec. Je sais pas, il m'a envoyé une musique trop bien, mec. Elle s'appelle Éléphant. Oh là là, ça clash. Ça clash. Mais ah, mec, l'écoute pas. Ah, l'écoute pas, Bobo, il dit de la merde. Hein. Mec, autant il m'a fait, tu vois, j'ai fait l'IP contest, il y a, bon, maintenant il y a un moment et tout comme ça. Il me fait, ouais mec, t'es pas premier. Ouais, tu vois, j'avais fait ça, mais c'est un moment maintenant. Et genre il m'a fait, ouais, t'es pas premier et tout, je suis arrivé combien? Je suis arrivé premier, t'es un bolos, Bobo. Ouais, je sais, Nate, je sais. Allez mec, c'est pas ce qu'il m'a fait carrément moi. Ah, à moi il allait loin mec, il m'a fait ouais j'ai parlé avec IE, tu seras pas classé dans le dernier contest. Je suis arrivé combien? Je suis arrivé 3ème. T'es une merde Bobo, t'es une merde Bobo. Mais oui. La dernière fois il me fait j'étais en convo sur Skype avec Never, Nordic et IE je crois, on s'est éclaté et tout. Mec c'est un gros mytho ce type. T'es un gros mytho Bobo. Mais oui. Ouais. Et la dernière fois il me fait il y a Noah qui m'a ajouté, sauf que il m'a passé écoute attends c'est pas fini, il m'a passé le gars, il m'a fait un screen, sauf que moi tu sais Noah il y a pas longtemps il a fait un live edit. Et vu que je connais Waters parce que je suis dans sa team d'edit, Waters il m'a ajouté à la conve. Et mec le compte de Noah c'est pas du tout ce compte là. C'est... Ben oui. Mais non mais je parle pas de ça. Mais je parle qu'il m'a invité dans la convo avec, donc avec eux là. Parce qu'il faisait Waters, il était avec Noah. Et c'est pas du tout le même compte que Bobo il m'a montré. Bobo c'est un... C'est un putain de menteur mec. Oh c'est quoi cette qualité la 1440p sur YouTube? Non après original. Original c'est 1440. Moi les gens vous m'envoyez vraiment des musiques genre en 10 minutes c'est impossible, j'édite là-dessus, vous êtes fous. Non mais ta gueule Bobo. Mais Bobo il a tous les presets qui sont déjà faits. Bobo il assemble les clips et puis hop. Jack il met tous les presets et alors des fois il a des coups de chance. C'est pour ça qu'il fait très peu d'édits parce que des fois ça tombe pas bien, des fois il a des coups de chance donc il upload. Ah ouais ça fait un seul preset ouais. Non mais Bobo mec t'as parlé à... Mec le seul preset que j'ai c'est Twitch et les trucs, ça fait pas un seul preset mec. Oh mec y a un gars il me fait, enfin ben Tyro. Ah Tyro il me fait... je lui envoie mon live, il me fait non, ensuite il me fait invite Skype et j'ai répondu non. Ah il est rentré Colt apparemment, il va quitter la Harte. Bah apparemment il m'a dit qu'il voulait quitter la Harte parce qu'il rentrait Colt. Ah on m'a lancé le défi d'éditer sur Georges de la Jungle mec. Attends faut que je la trouve la musique. La Colt Rising. Vas-y, j'édite dessus. Mec, j'ai déjà édité sur du Jacques Brel, c'est pas le beau. Georges de la Jungle, il est notre ami. Non, c'est pas pareil, Bobo. Hakuna Matata et Georges de la Jungle, c'est pas pareil. Ok, mec. Voilà, c'est parti les gens, j'ai trouvé ma musique. Alors attendez, je la mets sur After Effects. Mais oui, il a juste edit, mec, il est pas dedans. Bon allez les gars, on va dire que j'ai commencé à 40, comme ça me laisse 11 minutes. Allez go, c'est parti, j'édite. Allez. Mais tu veux du pain? Moi je t'aime pas. C'est comme d'habitude, y a rien qui se passe. LOL. Bref, je prends les premiers clips qui me viennent, allez hop, on va prendre... vite, faut que je fasse un truc là. Voilà mec, comment t'as su? Mec, je prends la fille de Scrapyard et la fille d'Afghan et la fille de Terminal, voilà. Mais mec, je vais pas me faire chier. Mais mec, les bits ils sont trop moisis. Je vois même pas où c'est que ça. Ah oui, merde. Bah, je prends le clip sur Afghan. Non, 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 répertorié, t'es vous. Aïe, aïe, aïe. Donc les gens, j'édite sur Georges de la Jungle et jusqu'à 50 pour edit. C'est parti. Non, non, j'ai commencé déjà une minute avant. Enfin, je me suis donné 11 minutes déjà. Putain. Ah. Et t'écris CC Kebab, fais ta pu. T'as jusqu'à 21h55. Ok, mec. Ouais, bon, allez, j'ai jusqu'à 21h55, on m'a dit. C'est parti. Je vais juste remettre le live, sinon je vois pas ce qu'on... Mmh. Alors attends. On m'a dit Patrick Sébastien les sardines. Non mais c'est bon, j'ai trouvé. Dis à Bobo que t'es une merde. Dis à Bobo de la fermer, il sait rien faire. C'est la merde. Qui a un euro PayPal? Ah mais t'es un vrai Martiniquais toi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que je suis en live, mec, t'as cru? Ah, ça fait 3 jours qu'il me fait chier, mec. Je vais pas le laisser dans mon live. Il va rager. Ça va être trop beau. Ah là, c'est l'enfance, là. C'est le passé d'Exitec, là. Je voulais dire c'est le passé, mec. Ok, mec. Oh là là, Bobo, t'es une merde. Ah, je te jure, il m'insulte, je le kick. Ah ouais, on va voir. Voilà, je l'appelle. Mais oui, je sais, je l'ai lu tout à l'heure. Quoi? Non. Ah mais ah, les gars, je suis tombé avec les mecs les plus en déche de la planète là ou quoi? Entre un qui vend son compte Steam. Attends, mec, il me reste 11 minutes pour éditer, fais pas le malin. Ah, c'est l'édite de ma vie, mec. Déjà la musique, rien que la musique, elle est trop sick, je suis sûr je passe Editor Club direct. Lol. Sale pute. Non, c'est bon, il marche. Rire de sadique. Mais oui. Ah les gars, gueulez pas. Allez, allez, vous avez 2 heures pour faire un team cage, c'est parti. Dédicace à Sixtine. À Nate. Ah Nate, on m'a dit que ta photo faisait peur sur Skype. On m'a dit que ta photo faisait peur sur Skype à chaque fois que je revenais. Mais les gars, n'ayez pas peur, c'est juste Nate. Hein. Nate il ressemble à ça, c'est pas, y a rien d'exceptionnel quoi. Voilà, ne prenez pas peur. Fanboy. Un truc bien. S'il y a une chose plutôt bien dedans. Oh my god, il me reste 6 minutes. Z, tu peux me dire un mot d'amour. Un mot d'amour, voilà. Comment on écrit c'est parti les gens? En partie on écrit comment? Ouais, mais il est parti, on écrit comment, PD? Comment t'as dit qu'on écrivait parti? Ah mais c'est bon mec, t'es un peu en retard. Hein. T'es un peu en retard mec hein. T'es un peu en retard là franchement. Ta gueule. De gueule. Yeah. Oh non, ça se fait pas hein. Ça se fait pas de dire des choses comme ça, mon petit bobo, hein. Georges de la jungle, il est notre ami. Le bâtard, il a dit à Noah de m'ajouter. Si, il y est. En tout cas, quand il dit Intimidate, j'y étais. Ouais. T'es un peu en retard, mec. Ah, il a peur, à la honte. Ah, ah, ah là là. À la honte. De quoi c'est bon. Ah, il me reste une minute. Ah, arrêtez avec la musique s'il vous plaît, les gars. Je suis en train d'éditer là. Ah, c'est fini. Ouais, ça y est, j'ai plus le droit. Allez, je coupe juste le clip, voilà. Allez, tac, tac, tac. Je fais une preview vite fait. Ah, laissez-moi mettre une CC s'il vous plaît, juste vite fait. Mais j'ai des CC à tout le monde, moi là. Moi les gars, je suis un fanboy des CC, moi j'ai des CC à tout le monde. Ah, il faut faire du bruit. Ok, je sors. Ouais, quand elle est en train de te fouetter les fesses. Voilà, je fais le rendu, les gens. Best edit ever. Bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu parce que là, avec les autres Google qui gueulent de partout et tout. Hein. Il a dit on se connaît depuis que t'es une connasse. Moi ça m'a pas plu. Voilà les gens, l'édit est fini, je le plode en non répertorié et puis enfin je vais arrêter le live je pense parce que ben, les gens commencent à partir et puis voilà quoi. C'est parti en cacahuète avec tous les PD qu'on rejoint à la conve là. Donc du coup je le plodera en non répertorié, je le mettrai sur le lien de la rediffusion du live. Mais mec, il est trop beau l'édit que j'ai fait, il n'y a aucun effet. Mais en même temps, j'ai passé trop de temps à faire n'importe quoi. Ah mais c'est vrai là, vous rentrez tous cold, vas-y je tente et moi il va me refoule. Bolos. Bolos. Mec, si Tyro il est rentré, je rentre. Hein. Comment... Attends, c'est quoi? Comment ça s'appelle le truc que t'as fait pour mettre des effets de lumière? Ciao, Zectix. Comment ça s'appelle le truc que t'as fait pour mettre des effets de lumière? C'est une CC, mec. C'est un... voilà. Bon, au final, il me manque exactement le nombre de 16 abonnés pour sortir l'editing contest. Bah oui, mec, il est pris et tout. C'est juste qu'il me faut... Oui, t'as cru que j'allais dire aux gens qui me regardaient, abonnez-vous, je vais sortir un edit contest. Non, mec, il y a vraiment 50 € de là, de l'eau et tout. Il y a des chances de rejoindre la Imagine Edit, la A8 et tout. Franchement, il y a. Bah, c'est des bonnes teams quand même. Mais parce que je le fais pas seul, on est 4 à le faire en même temps. Et les 7. Bah, pourquoi? Bah oui, et alors bah nous on est des mecs comme ça. C'est pour ça qu'il y a 50 € de lot et qu'il y a des chances de join des teams comme ça et que voilà. C'est pour ça, le mec qui arrive premier, il est quand même upload sur 4 chaînes, il est dans la subbox de 4 chaînes, il peut faire un edit avec qui il veut pour se faire encore plus de pubs. Et puis voilà quoi. Bah je m'en fous mec, tu fais pas d'edit avec moi, qu'est-ce que je te dise? Je m'en bats les couilles mec. Tu fais un edit avec Tony ou avec le Synergy là qui fait le truc avec nous comme ça ils ont 1000 abonnés et puis voilà. Je sais pas qui c'est. Non mais si mais j'ai la flemme de regarder. Ah, faut lui demander quoi au mec? Non mais tu l'as dit quoi? Tu as dit quoi au début? Mais tu as dit quoi au début? Tu as fait I want to. Vas-y envoie. Voilà les gars, mon edit est fini. Bon les gars, j'arrête le live pour ceux qui sont en train de regarder. Merci d'avoir regardé. Puis je vous dis à la prochaine et je mets dans la rediffusion du live, je mettrai en non répertorié l'édit que je viens de faire en un quart d'heure. Donc voilà. Allez, tchuss les gens, je arrête le live tout de suite. Allez, ciao!